Bonjour et bienvenue dans le 12e épisode de mon Let's Play sur une épique. Alors, qu'est-ce que j'attendais? Alors, Kara, lancé. Alors, j'ai été regarder, chercher sur internet et je sais comment me débarrasser des sangsues, elles sont là. Alors, merde. Comment on fait pour s'en débarrasser? Ok, comme ça, simplement. Et est-ce qu'il y a possibilité de scinder? Non. Parce que ça aurait été bien de remplir l'inventaire pour qu'elle... qu'elle disparaisse. Qu'elle ne puisse pas rentrer, je veux dire. Alors, je suis armé de mâche. Ouais, je vais pas farmer pour le moment. Ok. Ah oui, bien joué. Décidément, à chaque fois, je vais oublier. Hein. Et voilà. Tiens, est-ce que je suis allé en bas? Oui, je suis allé en bas. Mais manifestement, j'ai autre chose à y faire. Ben non. Ah, ou ça veut dire que j'ai pas éclairé complètement. D'accord. D'accord, je pense que ça veut dire que je n'ai pas éclairé complètement ici. Si c'est dans le noir... Non, c'est à côté que c'est pas... Ça doit pas être éclairé correctement. Voilà. Bon, ben... Affaire réglée, hein. Les sous-sols sont éclairés. Ok. Ah bah tiens, on peut aller s'occuper de la... Ah merde! Ah bah bien joué! Ah bah bien joué. Ah magnifique. Ah oui, je me suis bien fait baiser là. Qu'est-ce qu'on fait? Il faudra aller de l'autre côté. C'est pas par là. Oui, donc je pense que les carreaux qui sont noirs comme ça, c'est qu'ils n'ont pas été totalement éclairés. Enfin, c'est qu'une interprétation, hein, on verra. Est-ce que ça se confirmera? Ah putain, je me fais toucher. Bon. Tu peux t'économiser un peu, je vais m'en occuper. Oh, il est efficace quand même, ce petit familier. Bon, bah on va se les faire. Hein. Tant qu'à faire. Ça va me permettre de me... non. Ah oui, ils sont mes soeurs, ok. Bah tiens, on va se faire l'autre aussi. Voilà, il s'est réveillé mort, celui-là. Alors, mon livre de sort. F2, F3, F4, F5... Ah, F5, d'accord. Bah on va faire ça, et je verrai si je peux mettre la... comment elle s'appelle, l'amélioration pour l'arc aussi. On va attendre un peu. Parce que celui-là, il fait mal. Ok. Est-ce qu'il peut me tirer de là? Je pense pas. Mais arrête voir de taper de systématiquement. Ok. Allez, voilà. Bon bah vas-y, occupe-toi-en. Je sais pas quoi faire. Bon, c'est long. Ok, bon. Alors, est-ce que j'ai des... Oui, des saloperies. C'est quoi ça? Couronne en corail, oui. Et il me manque un morceau... Ah, les morceaux de statue! Il faudrait que je finisse ça. Il faudrait que je finisse cette quête-là. Bon, bah tant pis, hein, je suis parti du côté-là. On continue. Ah oui, c'est vrai, c'est cette saloperie-là.
Ils m'ont fait bien mal. Allez, hop. Ah putain. Merde. Allez. Ok. Alors je vais faire F, donc F5 on a dit, hein, et donc je vais voir, j'ai amélioré l'arc. Non, merde, pardon. 2. Je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Est-ce que c'est parce que je dois l'équiper? Ah, d'accord. Il faut équiper le truc pour... Ok, c'est pour ça que je ne pouvais donc... Je pouvais donc pas le... D'accord. Mais il manque quelque chose à éclairer ici. Bon, bah. Merde. Hop là. Alors mon arc. Allez, bute-le. Voilà. Non, ça marche pas. Allez, mais donne-moi le focus. Bon, je ramasse la langue de serpent. Putain, pourquoi j'ai pas le focus là? Non. Donc inventaire. Je n'ai pas de saloperie. Non. Ok. On va descendre. Putain. J'ai plus beaucoup de vie. Ok. Qu'est-ce qu'il y a là? D'accord. Ça me plaît pas ça. Non. Allez, dégage. Ok. Ah bah tiens. On va voir si je peux améliorer. Donc, je peux l'améliorer, le 2. Ok, parfait. Ah d'accord, là il y a les petits voleurs qui se donnent le cœur. Ah oui, oui, ça fait quand même beaucoup plus de dégâts. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah ok. Ah ok, bon c'est bon. Non, j'ai pas le... Je n'ai pas le... F5... Non, F1, voilà. Il va falloir que j'apprenne à... Ok, parfait. Morceau de tentacule, quête. Allume. Saloperie. Bon, les fougères, j'en ai rien à battre. Ok. Et bon, on va récupérer les tentacules. Allez. Inventaire, on va virer ces saloperies. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Ah, mais il y a... Bon, je vais essayer de descendre par là. Oh oui, 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 une grille là. Ah parfait, 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 parfait. Parfaitement parfait. Il n'y a plus d'autres lampes, non. Ok, impeccable. J'ai pris un petit risque là, mais c'était un risque payant. Bon, bah on va... Voilà, oh, parfait. Donc, je vais essayer d'améliorer. J'ai quoi? L'arc. Ah, mais... Non, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Non, donc je peux décidément pas. Par contre, si je m'équipe de ma hache. Voilà, parfait. Ah, impeccable.
Impeccable. Alors, je me demande qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire dans cet endroit. Ah oui, bah je vais continuer là-bas. Ah, je vais descendre là. On descend. Oups là! Allez! Tire-leur dessus! Merde, je peux pas! Est-ce que j'ai pas récupéré une saloperie? Non. Je n'ai pas été contaminé. Bon, il faut que je m'occupe de mon arc là. Je suis congelé, ouais, c'est pas bien grave. Parfait, allez. Parfait, parfait, parfait. Inventaire, je vais avoir une saloperie. Voilà. Ah putain, je me suis fait avoir par le seau. Attendez. Non, je n'ai pas été. Parfait. Merde. Ok, saloperie. Ah, c'est très utile les sangsues, c'est utilisé en médecine. Mais c'est de la saloperie quand même quand elles ne sont pas invitées. Allez. Oui, par exemple, il peut arriver qu'on ait un problème, un doigt par exemple qui est gorgé de sang. Et les sangsues sont très pratiques pour... Ben je dis un doigt, hein, mais vous imaginez comme un bleu. Vous avez un bleu, c'est ni plus ni moins que des vaisseaux sanguins qui ont pété. Qu'est-ce que je fais là? Bon, là, on va aller voir ce que c'est. Qu'est-ce qu'il y a là? Non, c'est le... Ah, bah tiens, j'avais la clé. Ok, alors, j'étais même pas au courant. Je vais essayer d'aller... Non, on va attendre qu'il fasse demi-tour. Allez! Bon. Voilà. Parfait. Et puis tiens, on va buter l'autre parce que... Il n'y a pas de raison. C'est quoi qui me donne des petites émeraudes? Est-ce que j'ai d'autres choses à illuminer ici? Non. Mais je me rappelais pas avoir eu cette clé. Certaines pas clés des égouts, bah oui. Ah bah d'accord. Donc c'était plus, il y avait plusieurs clés. Une utilité. Ah. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Hey, looks like a medieval version of a Stargate. I wonder where it goes. It's a portal to a fabulous place. Whoever crosses this portal becomes a king, and any desire is fulfilled nearly instantaneously, from the most succulent delicacies to the most beautiful women. Yeah, of course. So you want me to get into this thing? Who knows what horrendous death awaits at the other side? I see you still take me for an idiot. By no means. I was just answering your question. Well, I'm definitely not going. Although, wait a minute. You know that I know that you want me dead. Therefore, you know that I should never trust you if something very tempting comes up, since it'll be a trap. If you really don't want me to go through that portal, you should just say the opposite, right? You encourage me to go, so I should refuse. You know what, Zira? You have been very kind to inform me of the wonders on the other side of the portal. Yes, I'm going to enter it.
Because I trust you. No! No? Why not? You just told me that there's a fabulous place on the other side. Are you trying to be clever? Do not go into the portal or you will die! Is that right? Isn't this just what you want? Me to die so you can be free? What are you hiding, Zira? What's out there that you don't want me to see? This portal leads to the depths of the mountain where Draconius lives, the second of the Great Guardians. Isn't that better for you? If Draconius kills me, the echo of your laughs will resonate all around the castle. You're worried that I could kill him, aren't you? You already saw how I handled that little sandworm from Arrakis and... Once again, you are mistaken. If you fall here in the castle, I will be free again. But if you find death out there, I will never return. So that's the reason. You're afraid of being trapped in the depths of the mountain for all eternity. Okay then, now you have a good reason to help me as much as you can. Start talking, because I'm crossing through that portal right now. Crazy fool, the portal is one way. Once you cross it, you will not be able to return. So you must use another method, like teleportation. Okay, what else? The depths are an inferno, with lava that kills on contact. Both the great Draconius and creatures that dwell there are invulnerable to fire, but weak against cold. Use the magic of frost against them as much as you can. Moreover, bring many healing potions and have them ready. Do not hesitate to use them, and try to keep yourself uninjured. Wow, Zira, you're really helpful when you want to be. Your master is very lucky to have you as a servant. Thanks for the advice. And don't worry, I don't want to die. Mais ce que je vais faire, je vais aller sauvegarder. Parce que au niveau de l'inventaire, j'ai 100 flèches seulement, ça risque de faire un peu chaud. Utiliser. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah d'accord, il y avait une bestiole ici. Acheter. Arc et projectile. Flèche courte. Voilà. Est-ce que je peux acheter autre chose? Ah, 195, merde. Flamme vitale, redonne vie à un animal domestique décédé. Boîte de repère, la boîte contenant l'esprit pur dans la zone où tu te trouves. Une icône apparaîtra sur ta carte, ne s'épuise pas à l'usage. Ah, ça pourrait être intéressant de l'avoir, ça aussi. Bon, vendre. Oh, on va se débarrasser de... les saloperies qu'on a en trop. Non mais j'aimerais bien savoir. Non attends. Attends, avant de vendre, on va d'abord regarder. Ça c'est à vendre, ok. Hein, oui. Ah, attendez. Niveau 3, dommage 61, 66. 68. 68. Ah, guérison plus 20% supplémentaire, ok. J'ai peut-être pas besoin de toutes ces haches. Lorsque tu tues une créature, l'esprit qui habite l'arme apparaîtra momentanément sous forme de gel, ok. Lance-tu-orc. Ah. Bah tiens, je vais vendre celle-là. Lance 48 54, oui 52, faut voir. Ouais, tant qu'à faire, autant vendre celle-là. Épée courte de cléric, dommage avec la lumière, expérience supplémentaire plus 5%. Bon, ben je pense que j'ai fait le tour de ce que je pouvais vendre. Eh ben on va... Hop, vendre. Ce sera toujours ça de prix.
Alors, le vert, c'est mieux ou que le bleu ou pas? Ah, je sais pas, il faudrait. Ah, mais il faudrait que j'ai. Voilà, tant pis, on va considérer que le vert est mieux. Et plus joli. Eh ben oui, c'est mieux, en fait. Ok. L'arc. Voilà, il faut voir comment c'est. 98%. 100%, ok. Bon, bah, je pense que je peux y aller. Alors, hop. On va aller se healer, sauvegarder. Voilà, comme ça, tout ce que j'ai fait jusque-là, c'est bon. Parce qu'à mon avis, on va mourir. Est-ce qu'il faut passer par là? Oui, c'était par là. Ah, ben non, non, c'était pas par là. Ah, il faudrait que je saute là. Je le ferai plus tard, ça. Ici, il restait des choses à éclairer. Ah, en haut. Ah oui, je vais aller éclairer là. Ah, c'est peut-être un peu con, si, surtout si je meurs. Tant pis. Voilà. Je sais pas comment ça marche au niveau des sauvegardes. Par contre, il faut que je surveille bien ma bestiole. Ok. Oh putain. Non, c'est bon. Voilà. Jusqu'ici, tout va bien. Hop là. Oh merde. Oh d'accord, oui. Oh, ça va être chiant ça. Oh, ça va être chiant. Ah oui. Et bute-le. Non, bon. Comment est-ce qu'il m'attaque là? Non. Est-ce que je peux en flinguer un? Oh, ils aiment. Oh, ça fait pas de dégâts ça. Oh, ça fait pas de dégâts. Mais attaque-les, bonhomme! Voilà. Allez, viens. Voilà, bon, ça c'est bon. Non, ça c'est pas bon. Allez. Bon, jusque-là, ça va. Hop là. Oui. Je me demande si l'anneau pour repart. Mais. Voilà, c'est bien. C'est l'anneau. Merde, putain, il faut pas les toucher. Ah, très bien. Voilà. Vas-y, but. But, mon bonhomme. Vas-y, fais-toi plaisir. Ah, il est impérial, mon bonhomme. Dommage que je n'ai pas de sort. Dommage que je n'ai pas de sort de froid. Un petit bonhomme très efficace, hein. Donc là, on arrive au boss. Wait! What's up? Before invoking Draconius, let me give you some advice. Scared, are you? What can you tell me?
The force of his attacks will make you fall back, so you must avoid being near the edges to avoid falling into the lava. Seek refuge from his fire under a solid roof, and do not hesitate to use healing potions to heal any burns. Moreover, Draconius always attacks from the air. Use frost magic or a bow against him. And most importantly, if your life is in danger, teleport yourself to the castle. Wow, Zira. Thanks for all this advice. I don't want to die. If things get ugly, I'll teleport back. And now, go, go, go! Attendez. Qu'est-ce que j'ai comme potion? Guérir les... blessures, guérir lentement. Flacon vide. Comme j'ai pas utilisé ça, je vais mettre un petit peu de trucs de côté. Enfin, potion régène. Ok, le sort de feu, on n'a pas besoin. Ah putain. Est-ce que je m'équipe de mon arc? Allez, je m'équipe de mon arc. Et on lance la machine. Ah, je sais pas du tout. À quoi m'attendre? D'accord. Ah merde! Où t'es? Oh putain! Comment j'évite ça? Viens, mais tu vas te faire toucher, putain! Allez! Allez, allez! Bon, on s'en fout du feu, on s'en fout du feu! Merde! Bon, non, finalement, c'est pas une bonne idée de s'en foutre du feu. Et t'as le droit de tirer aussi? Oh putain! Merde. J'ai paniqué. J'ai paniqué, donc... voilà, c'était pas top. J'avais pas vu que je... Heureusement qu'il y avait l'alarme, sinon je serais mort. Mais alors, le problème, c'est que mon petit Coldax, là... Coldax, il tire pas tout le temps. Il devrait, pourtant il était plein... Voilà, c'est là, ouais. Ok. Bon, bah, je vais mettre un terme à l'épisode, là. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je pense que dans le prochain épisode, j'essaierai de faire la... récupérer les morceaux de statue. Parce que si je pouvais avoir des sorts de froid, je sais pas si c'est des sorts de froid, mais si je pouvais les avoir, ça m'aiderait bien. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. En espérant qu'il vous a plu et qu'on se retrouvera dans le prochain. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à vous abonner, à partager les vidéos, à regarder mes autres séries et vidéos, et mettre des pouces. Voilà, merci, au revoir.